tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Moi ça va. Laura a eu plusieurs réveils apparemment. Je me suis réveillée toutes les heures, j'ai l'impression. Et du coup, nous sommes à la gare, nous attendons. Oh, ce bordel ou ce schmilblick, je dirais. En fait, c'est pas elle qui a pris son billet de train pour aller à la convention. Pour demain, oui, c'est bon, elle pour le demain, sait. Je... C'est toi qui l'as pris. Mais du coup, on sait pas, enfin, on ne savait pas là en arrivant. On arrive et vous avez. Vous connaissez peut-être mieux les trains que moi. On ne sait pas lire. Il y avait un panneau arrivée, un panneau départ. On a regardé le panneau arrivée où il était. Oui, on a regardé le arrivée, mais bon, en même temps. Sûrement une habitude. Non, mais c'est particulier. Tu entres, le premier truc que tu vois, c'est les arrivées, du coup. Mais du coup, ça y est, elle a trouvé sur tous les screens que son ami a fait. Elle a trouvé le numéro du train, donc c'est bon, on l'a trouvé. C'est un train qui va à Avignon. Mais il y a plusieurs arrêts en fait, et elle va s'arrêter donc à Montpellier-Saint-Roch. Voilà. Mais c'est vraiment compliqué. Pour demain, ce sera plus simple, je crois. Et le trajet, il est moins long, je crois aussi. Donc voilà. Là, on est sur un truc où on peut rester 2 heures stationné. Sauf que ben, le rodateur, il marche pas. Donc voilà, je sais pas trop. Mais c'est bon. Hop, à 9h, on sort et on attendra sur la voie. Et voilà, et ce soir, je viendrai la chercher. Alors, elle n'a pas pris le billet de retour. Elle sait à peu près, à partir de 5h, il y a des trains. Il y a des trains plus ou moins tard aussi. Hein, 18h, 34. Et il y en a le plus tard que je prends, mais c'est la limite de 19h. Si on ne prend pas après. Ouais, mais il y avait 19h10, je crois. Ou non, 18h59. Je sais plus, voilà, bref. Mais de toute façon, voilà, et elle fera pareil pour demain soir après. Mais voilà, et donc elle me dira le train qu'elle prend et moi je viendrai à l'heure la chercher tout à l'heure. Voilà. Après, c'est cool, il fait à peu près beau, on va dire. Il y a beaucoup de soleil. À Montpellier, j'espère que ce sera pareil parce qu'elle n'a pas pris de veste. Bon, du coup, on s'est levé vers 7h, on s'est préparé, on a déjeuné, et voilà. Voilà, il est 8h30. Ouais, voilà. Il est 8h30 environ, et voilà. Donc voilà, la journée commence. Donc d'abord, on s'occupe de ça, que Laura prenne le bon train, hein, parce que ça, c'est le plus important en fait, c'est qu'elle prenne le bon train. Son ami va arriver dans pas longtemps là, hein, là-bas déjà. Mais il est pas encore dans son train. Ah si. Oui, mais lui c'est 20 minutes. L'endroit je crois. Autour, c'est la gare donc. Oui. Je crois que mais je crois que de. C'est Lunel vers Lunel, tu m'as dit. Ouais, de Lunel à Montpellier. De Lunette à Montpellier, il y a vraiment pas beaucoup de temps. Voilà, donc. Bon, mais du coup, voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Il y en a qui ne le portent pas. Faut le mettre ou pas? Moi je le mets. Il y en a. C'est pire qu'un bus. Je mets mon masque. Être obligatoire, peut-être. Je ne sais même pas si vous m'entendez du coup. J'ai mal au ventre alors que c'est même pas moi qui prends le train. Mais c'est normal, c'est parce que c'est ma fille qui prend le train et c'est la première fois sans moi. Chose à faire, de la vaisselle, qu'est-ce qui se passe? Blague, Nouchka, c'est toi. C'est pas Mickey cette fois, c'est à cause de toi. Dis donc. Faut se calmer là. Hein?
Pourquoi vous disputez? Regardez, elle a la chasse du regard. Bon. Donc voilà, je vais faire ça, m'occuper de la maison, et je vous reprendrai plus tard. Là, il y a le propriétaire et son père qui vont venir pour réparer, comme ça, pour réparer un peu le portillon, en fait. Il y a, bon, il va bien, mais il va bien. En fait, il y a une planche qui pourrit et du coup, bah, il faut la changer. Voilà. Non, puisque non, il va pas changer le portillon en entier. Hein, c'est, voilà. J'espère qu'ils vont pas passer le coup de peinture aujourd'hui, mais c'est possible. Voilà. Bon, ben je vous dis à tout à l'heure. Du coup, je vous montrerai quand ils auront fini de faire ce qu'il faut faire. Après, s'ils passent le coup de peinture aujourd'hui, ben voilà. Hein. Mais je crois pas. Je crois pas. Ça prend un peu de temps de faire la peinture quand même. Bon, allez, je vais m'occuper de la maison. Bon, me revoilà mon poste de travail. C'est bon, j'ai eu des nouvelles de Laura il y a plus d'une heure. Hein. Elle va bien, elle est bien arrivée, elle est bien avec ses amis. Elle est bien à la convention, ça y est. C'était une aventure quand même. Bon, elle m'a dit qu'elle préférait la voiture quand même, mais bon, voilà. Bah, de toute façon, elle pourra passer son permis, puis voilà. Après, elle pourra prendre la voiture. Bon, voilà, j'en ai pas besoin. Mais... du coup, pour le portillon, bah, y a un souci, ils ont cassé leur... je sais pas comment ils appellent ça, leur truc pour scier les goulons, les vis. Donc ils vont prendre le portillon, ils vont le faire chez eux parce qu'ils ont une plus grosse scie électrique. Et je sais pas, ça doit pas s'appeler scie, je sais pas du tout. Donc ils vont prendre le portillon et ils le ramèneront ben, quand ils auront fini. Voilà, donc, j'espère que c'est aujourd'hui, sinon c'est demain. Du coup, ben, j'ai plus de portillon pour l'instant. Et ben, je mettrai la poubelle devant. Ouais, je mettrai la poubelle devant en attendant. Donc là, j'allais voir les mails. Voir où est-ce que j'en suis. Alors, donc, il manque à laver ma chambre. Oui, je ne l'ai pas fait hier. Du coup, je n'ai pas fait de ménage hier. Il manque ma chambre à faire. La salle de bain. Les filles sont en train de faire de la peinture dans la chambre. Et elles jouent. Du coup, je ne vais pas faire ça maintenant. Dans la chambre. Dans leur chambre, en tout cas. J'ai ma couleur à faire. Faut vraiment que j'ai le temps aujourd'hui. Faut vraiment que je prenne le temps. Attention. Aujourd'hui ou demain maximum, et je préférais aujourd'hui quoi. Surtout que là demain en fait, oh là là, ça va être dur demain de se lever. Le train il est tôt et il y a le changement d'heure, donc c'est n'importe quoi. Je vais être... lundi je vais être KO, je le sens, je vais être KO. Voilà, voilà. Et du coup, c'est pour ça que ça serait mieux que je fasse la couleur aujourd'hui. Parce que demain, comme ça, je suis tranquille. J'ai juste le corps à me laver, j'ai pas les cheveux à faire. Bon. Ouais. Bon. Bah, du coup, je sais pas. Je vais. Ouais. Que je vois là, il est 11h19. Bon, je vais voir. Je vais réfléchir à quand est-ce que je peux faire la couleur. Là, j'ai faim déjà, j'ai déjeuné tôt, et j'ai faim. En général, le week-end, je déjeune plus tard. Mais il ne faut pas grignoter. Ah oui, j'ai des courbatures au fait. Ouais, j'ai pas dû faire assez d'étirements hier. J'ai des courbatures aux cuisses, donc c'est trop bien. Ça veut dire que ça marche, parce que jusqu'à maintenant, je n'en avais pas eu. Par contre, les épaules, ça va, alors qu'on a vraiment travaillé les épaules avec le monsieur, avec ma maille. Voilà, voilà. Et oui, apparemment, on a une livraison Amazon. Moi je n'ai pas commandé. C'est Laura, elle se commande des choses. Je ne sais pas c'est quoi. Bon, ça va casser qu'on est là. Mais sinon, il aurait fallu qu'elle soit là pour réceptionner. Quoi. Mais bon, elle est pas là. Et il faut que je continue le cours aussi. J'ai perdu mon crayon. Je sais pas où est-ce qu'il... Crayon comment ? Crayon de couleur ? Non. Crayon gris ? Oui. C'est un crayon gris... Il te ressemble à quoi ton crayon? Non mais il est en haut mais je sais pas où. Ah, tu veux le quête pour en attendant? Parce que là il avait une pointe plus fine. Comment c'est... Ben faut le tailler juste. Ah, ton truc où tu fais bip bip? Oui. Mais tu, où est-ce qu'il est? Tu en prends un autre et tu... Mais on en a pas d'autres. Je sais pas où est-ce qu'il est. Bah attendez, on va chercher un critère. Là c'est bon, heureusement dans mes placards j'ai un peu de tout. Hein. Voilà, voilà. Bon, oui, et donc je vous disais, je sais pas si je vous le dis,
que je finisse le cours. Donc j'avais vu, il me reste une trentaine de minutes. C'est faisable, largement faisable. Comme ça, après, il me restera juste le cours de 1h43. Et parce que c'est sûr, il va en mettre un autre cette semaine. Et je ne peux pas avoir autant d'heures de cours. Il faut tout écouter, tout est au moins écouté un minimum avant le 6 avril et ça va passer très vite là. Donc il nous reste combien, hein? Ah bah il nous reste qu'une semaine, voilà. Donc il nous reste qu'une semaine. Ouais. Oh là là. C'est bientôt. Donc il faut vraiment se dépêcher de faire ces deux cours là. Donc voilà. Bon bah allez, je vous laisse pour l'instant. C'est l'heure de manger. Non, vous entendez le micro. Moi, je vais manger des épinards et des nuggets. Alors, il y en a beaucoup parce qu'il n'y a pas Laura. Hein. Et les filles, et Lucas, ils finissent les pâtes et elles ont des nuggets aussi. C'est vachement fort lui là. Je sais pas où il est. C'est Lucas qui est comme ça. Il est minuscule, non? C'est l'heure des devoirs. Voilà, là on a déjà révisé la pièce de théâtre. Alors, elle est absente, du coup il y a des feuilles qu'elle n'a pas. Des choses qu'elle n'a pas, mais c'est pas grave. Hein. Alors, on va s'adapter. Et là en maths... Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est le tableau. C'est rien. Du coup, elle a deux calculs, deux divisions à faire. Sérieusement, est-ce une position pour dormir? C'est bizarre un chat. Les gars, ça y est, on a vu notre premier moustique. La saison du printemps est déclarée. La saison de la chaleur est déclarée. On est dégoûté. Ça arrive tôt, hein. Il est où? Je sais pas, moi. Il a dû... Oh, c'est trop pénible, ça. Je déteste les moustiques. En même temps, qui les aime, sérieux? Qui? Bon, re. Alors, du coup, c'est l'heure pour moi de travailler un petit peu. Je voulais aller faire un tour à Jaya parce que j'ai vraiment... Je vous trouve très proche, là. Je voulais aller faire un tour à Jaya... Non, à Jardiland. Pour aller voir les petits lapins et commencer à voir quel budget il faudrait pour en prendre un. Parce que Maya va en avoir un à son anniversaire. Bon, c'est pas de suite son anniversaire. Hein. Mais ouais, j'aimerais bien commencer à voir tout ce qu'il faut et tout. Mais Anna ne veut pas trop sortir. Et je la laisse pas seule à la maison. Donc voilà. Du coup, ben tant pis. On n'ira pas maintenant voir ceci. Après, j'avais déjà vu, moi, sur Amazon. Des cages et tout. Nous, on aimerait un lapin nain. Bon, apparemment, les lapins doivent aller par deux. Vu que j'en veux un, ben, ça tombe bien. J'en aurai un mois et Maya, elle aura le sien. Et voilà. Du coup, je vais travailler. Je vais continuer le cours. Ça va, il n'en a pas mis d'autres. Ouf. Non, parce que... Tous, j'espère que tout le monde va bien. Et j'espère aussi que... 22 minutes 40. La lecture. Ouais, je me remets à 22 minutes 40. 22 minutes. C'est bon. Allez, je vais travailler du coup. Et voilà. Bon, j'étais en train de travailler et Anna s'ennuyait. Du coup, je me suis arrêtée. Et je suis restée avec elle. Et elle a finalement trouvé une occupation. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais c'est pas grave tant qu'elle s'occupe. Elle ne joue pas au téléphone ni à la tablette, par contre. Du coup, je ne sais vraiment pas ce qu'elle fait. Oui. Et du coup, va falloir que je retourne travailler. Mais j'avais éteint l'ordinateur parce qu'il y avait une mise à jour à faire et tout. Donc là, je vais rallumer. Bon, je sais pas du tout ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait?
peut-être aller voir, ouais. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je regarde ce bel chasseur d'appart. Je croyais que c'était maison avant, mais non. Non, non, c'est quand il faut vendre des maisons. Là, c'est pour acheter. Chasseur d'appart. Je voulais vous dire, il y a certaines émissions, franchement, ça me donne hâte de travailler pour pouvoir acheter ou faire construire une maison. Parce qu'il y a des choses, quand je les vois, je me dis, oh là là, c'est trop bien, c'est pas très cher et tout. Franchement, ça donne envie de déménager, en tout cas. Bon, ben c'est bon. Hein. Là, ils sont en train de remettre le portillon. Du coup, cette histoire d'être sans portillon n'aura pas duré très longtemps. C'est cool. Mais bon, là, je rallume l'ordinateur, mais il tape très souvent à la maison. Donc, je vais pas rester bien loin de la porte. Ouais, mais bon, je rallume le PC pour travailler après quand même. On ne va pas là. Quoi ? Lucas, fais gaffe. Je peux pas fermer la porte. Je peux pas. T'as compris ? Attends, il y a un lapin ? Il y a un truc vivant dedans, tu vois, genre. Un serpent. Non, il y a un lapin en fait. Bah viens. Viens pour voir si c'est pas un serpent. C'est un serpent, non, c'est un serpent. On a un lapin! Qu'est-ce qu'il se prend? Oh, tu vas pas mourir. Coucou! T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu peux respirer là un peu, oui. On va te monter ta cage et puis ça va aller. Hein? Il est tout petit. Quand il va être grand, il va être tout poilu. T'inquiète pas. Vas-y. Ah oui ? Oui. Mais c'est juste qu'il est chaud, il peut courir partout. Il l'avait glissé. Comment ça, il s'est raté ? Il s'est fait mal ? Non, on s'est raté pour la litière. Ah, c'est bon, je le mets dedans ? Surprise ! T'avais qu'à pas partir de la maison, il y avait personne pour me retenir. Elle en veut depuis 3 ans et t'as pas vu ce qu'il a fait. Non mais ça veut dire que je pars une journée, une convention. Moi tu étais en mode non mais le lapin c'est un peu trop, vous savez même pas où le mettre. Demain on ne sort pas, t'inquiète pas. Tu l'aurais vu. Oh non, c'est pas vrai, je suis triste. On va le laisser dans la cage. Ok, bon. Doucement, doucement. Voilà. Attends, c'est la deuxième fois qu'il rentre dedans. Parce que depuis tout à l'heure, les filles, elles font crier dès qu'ils essaient de sortir de la cage. C'est bizarre. Et où Là, il glisse directement. C'est un bonhomme ou... Oui, ouais. C'est un garçon, ouais. Et mignon. Au-dessus des toilettes. Il y a Kosu, ça veut dire quoi? Attends, il est tellement mignon. Là, ça y est. Alors, il a déjà commencé à faire un peu sa petite maison. Il joue ou pas? Il se lave là. Il est trop mignon. Les chats sont venus le voir. Et ben, bon, Oli, elle a peur. Mickey lui fait des bisous. Minnie, elle a peur, elle n'a pas approché. Et Nouchka, elle sait pas. Elle sait pas. Gazé. Oh. Paris. Oh, bah, du coup, je vous reprends, il est super tard. Vous avez vu, donc, nous avons craqué. Oui. Complètement. Pour un petit lapinou. J'avoue, je suis coupable. Voilà.
maman. Alors moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai dit à ma mère, mais non, moi je suis pas comme ma sœur, je vais pas craquer. Je vais pas acheter sur un coup de tête. En fait, le petit lapin, il était tellement adorable, mais que si, j'ai craqué, j'ai fait comme ma sœur en fait. Voilà. Et du coup, voilà, nous avons un petit lapinou. Du coup, on vous fera les présentations quand il sera un peu moins sauvage. Bon, là, je vous avoue, il n'est pas trop sauvage. Hein. Il est même super câlin, je trouve. Et on verra demain, on le sortira. On l'a déjà fait sentir au chat. Après, si vous avez des conseils sur les lapins, je suis preneuse. Hein. Moi, je n'y connais absolument rien. Mais voilà, non, c'est bon, je travaille en même temps, je commence à vous monter le vlog parce qu'il est super tard et que là en fait on était en train de faire une visio avec quelqu'un qui a un lapin et qui nous donnait quelques conseils. Voilà, parce que là on l'a, ok, mais je n'y connais rien et du coup il va falloir un apprentissage, je vais regarder des vidéos aussi pour savoir comment s'en occuper et tout. Voilà, je veux vraiment faire le truc bien. Et voilà. Bon, ben du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des conseils pour les lapins. Parce que nous, on ne sait pas comment préparer sa cage et tout. On sait que ben, là, il ne fallait pas le nourrir aujourd'hui. Et voilà. Oui, aussi, je suis allée chercher Laura. Sa journée s'est très très bien passée, mais elle est très fatiguée là. Du coup, elle va se reposer. Elle ne sait pas encore si elle y va demain. Aucune idée. Donc pour l'instant, on a annulé le train de 8h10. Moi, ça m'arrange, hein, je vous avoue, avec le changement d'heure là qu'il va y avoir. Hein. Oh là là, ça m'arrange. Bon, ben voilà. Il ne me manque plus qu'à enlever les rushs, à monter la vidéo et à vous faire... à le mettre sur YouTube, à faire le rendu, à mettre sur YouTube et pour que voilà, pour que vous ayez une vidéo demain matin. Je vous la mets à 7h même si je sais que le matin à 7h, bah, c'est le week-end, on ne va pas se lever. Parce que qui dit je vous la mets le matin à 7h, elle sera à 6h en vrai. C'est pas possible. C'est pas possible, non. Voilà. Donc voilà. Et aussi, maintenant en semaine, je vous la mettrai dès 6h du matin. Je vous la mets à cette heure-là. Pourquoi ? Parce que moi, je sais d'expérience, donc parce que moi aussi, je regarde des vlogs un peu tous les jours. Ben là, j'ai vraiment une tête qui fait peur. Là, il faut vraiment que j'aille dormir. Je sais que moi, je regarde les vlogs quand je me prépare, en fait, le matin très tôt. Et après, dans la journée, j'ai pas trop le temps. Alors, il y a peut-être des mamans qui me regardent ou des étudiants et vous, vous vous levez peut-être un peu plus tard. Ou les mamans qui me regardent, et ben, là, et ben, elles se lèvent tôt. Après, si vous êtes à la maison, ben, vous avez le temps de regarder dans la journée, pour certaines. Mais ouais, je crois que je vais vous la mettre dès 6h du matin. Maintenant, de toute façon, le montage, il est fait le soir même, donc ça va. Ça ne me dérange en rien de vous la mettre une heure plus tôt. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse pour l'instant, pour ce soir. Ce soir pour moi. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye !